Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour, enfin la patch note tout simplement, 2.45.1, donc mise à jour d'équilibrage d'Anduin avec, eh bien, tout simplement, donc c'est celle du 23 mai 2019. Alors bon, je suis désolé, de toute façon il y aura des erreurs dans la patch note, mais en l'occurrence la traduction française de toute façon n'est pas disponible pour le moment, donc on va faire en anglais, mais ne vous en faites pas, on traduira et on parlera un petit peu de tout ça. J'en ai parlé en live, mais ça va être l'occasion de synthétiser, de faire ça plus court. Et de pouvoir, eh bien, tout simplement parler de mes impressions, on va dire pas à chaud, mais plutôt réfléchies et posées de manière calme, tout simplement, avec un peu plus de sang-froid. Du coup, cette patch note, globalement, cette mise à jour, grosse mise à jour encore une fois de la part des développeurs, certes, moins, je dirais, c'est quelque chose que les développeurs avaient évoqué, c'est-à-dire que les patchs maintenant sortent peut-être avec un petit peu plus de lenteur. Alors par contre, quand ça sort de manière très vénère. Voilà, donc pour tous ceux qui pensent que les devs ne travaillent pas et que le jeu est mort, bah vous voyez encore une fois une énorme patch note. Et au passage, la plupart des, les deux dernières énormes patch notes étaient moyennes bien. Celle-ci est très bonne, vraiment celle-ci est très très bonne, on y reviendra par la suite plus en détail. Anubarak, pour commencer, alors je crois pas qu'il y avait d'autres trucs. Oui, il y a l'arrivée de skin des montures du River, donc c'est le Ravageur je crois, non pas le Ravageur, c'est le Destructeur, j'ai oublié le nom. Mais le River, donc l'une des unités Starcraft 1 qui sera en monture, espèce d'immense limace scarabée. Alors justement, en parlant de scarabée, premier personnage c'est Anubarak avec un énorme... Alors, il y aura très peu de fails dans cette patch note, ceci en est un. Anubarak, à l'heure actuelle, est probablement l'un des main tanks d'Heroes of the Storm, que ce soit en solo queue ou en compétitif, mais surtout en compétitif. Et Anubarak, le truc qui pose vraiment problème, c'est que ça, normalement Anubarak n'est pas censé être tanky, il a énormément de contrôle. Et le truc, c'est qu'avec le build Z, eh bien, il est très 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 tanky. Et là, Blizzard, eh bien, ils ont nerf la Légion de Scarabée, enfin le niveau 1. Donc les Scarabées qui avaient pris un bon up, hein, mine de rien, pour essayer de concurrencer justement le build Z. Et au final, le fait de faire pop un Scarabée maintenant passe de 8 secondes à 12 secondes entre chaque pop de Scarabée. Ce qui est absolument énorme, ce qui est que je trouve ridicule personnellement. C'est complètement débile. Donc, parce que ce talent-là, c'est pas ça qui change le fait que Anub soit trop fort ou quoi. C'est absolument pas ça. Le problème d'Anubarak à l'heure actuelle, c'est le Z. C'est le Z. C'est juste le Z en fait. Le Z le rend très tanky. Vraiment très tanky. Même quand des dégâts physiques sur lesquels il doit être normalement inquiété, il arrive à encaisser avec son Z. Et ça, c'est pas normal en fait. C'est si vraiment un truc à nerf à l'heure actuelle sur Anubarak, c'est le Z. C'est pas le reste. Surtout que bon, nerf les scarabées, allô. Genre Anubarak, c'est pas les scarabées à l'heure actuelle qui le rendent pété. Hein. C'est plutôt les builds exotiques, le scarabée. Enfin bon. Et le cocon, donc les PV du cocon qui sont réduits de 32 à 28, comme c'est quelque chose qui est dégressif, c'est-à-dire que comme un peu le mur du son, vous savez, vous avez un énorme shield, mais il se détruit en 6 secondes. Bah en fait, c'est un peu pareil pour Anubarak. Plus ça avance, c'est pas un timer sur le cocon en fait, c'est des PV qui tombent naturellement et qui va amener une certaine seconde. Donc le cocon, il mettait 8 secondes à s'enlever. Maintenant, il mettra 7 secondes puisque les PV du cocon sont réduits de base. Donc au final, ça vaut 7 secondes de cocon au lieu de 8. Donc on réduit la tankiness du cocon. Honnêtement, je pense que ça, par contre, c'est un très bon point. C'est très bien. Honnêtement, c'est très très bien, je trouve. Ça changera rien sur Anubarak. Le cocon restera très fort. Ce niveau en nerf, ça reste ok, hein, bien sûr, contre de la liming, etc. Ce serait juste un petit peu dommage. Donc à privilégier, on va dire, les globes et le Z. Mais les scarabées restent vraiment pas mauvais. Blaze, alors là, Blaze, donc voilà ce qu'il disait, Anubarak est still overperforming comparé à, voilà, donc il est encore un peu trop fort par rapport aux autres tanks, donc c'est pour ça qu'on réduit, c'est pour ça qu'on nerf évidemment les scarabées au 1, bien entendu. Blaze, donc Blaze, alors encore une fois un changement pour essayer de le rendre plus efficace en tank. Blaze, ils veulent en faire aussi un main tank, bien entendu, c'est pas le premier patch. Le petit bémol, c'est qu'encore une fois, le problème de Blaze, à mon avis, à mon sens, c'est quelque chose de plus mécanique que véritablement de chiffres. Puisque, bah, par exemple, Blaze, contrairement à Muradin, bah, votre engage, vous la faites avec le E, votre stun, vous le faites avec le A. Bah, sur Blaze, c'est différent, votre engage, vous la faites avec le E. Et sachant que très souvent, vous préparez avec un Z pour pouvoir assurer le E. Et ensuite, bah, c'est votre engage, stun, etc. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas le seul Blaze, Malga, ETC. Oui, mais ETC l'a fondu. Blaze, il met tous ses œufs dans le même panier. Et là, instantanément, vous voyez le problème de ce genre de mécanique. C'est-à-dire que pour engage et repartir, bah, c'est le même sort.
Du coup, bah, il peut pas. S'il a besoin d'apporter un stun, il est obligé de prendre des risques. Sauf que c'est pas comme un Diablo, c'est pas comme un. Enfin. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, on a réduit le temps de recharge du E en le passant de 9 à 8 secondes. Et le coût en mana a été réduit de 45 à 40 secondes. Donc globalement, on facilite la pose du E. Alors à chaque fois que vous voyez ça, faut vous dire, eh mais attendez, il y a la réduction CD sur le E au 16. Oui. J'en parle maintenant tout de suite. Mais la Thermal Protection, donc la réduction de CD sur le E pour chaque ennemi, pour chaque héros ennemi touché, est réduite de 1.5 à 1.25. C'est normal parce que maintenant, bah, il y a une seconde de CD en moins. Et honnêtement, c'est très très bien parce que. Bon, je m'attendais à ce qu'il passe à 1 seconde par mec touché. Non, il reste à 1,25, ce qui est assez énorme. Donc si vous touchez 3 mecs, vous avez quasiment de nouveau un E, c'est quand même très très fort. Le bémol, c'est que je pense que ça, ils devraient le mettre de base maintenant sur Blaze, parce que c'est quand même... En fait, ils devraient le mettre de base justement s'ils veulent en faire un main tank, pour pouvoir vraiment toucher un mec, repartir, etc. Alors à l'heure actuelle, c'est un petit peu dur. Mais ce qui est bien, c'est quoi là? Plutôt que de réduire le coût en mana des sorts qui permettent de dépush, celui-là... C'est le seul sort, j'en avais parlé un petit peu dans une précédente patch note, c'est le seul justement qui ne permet pas de dépush, du coup le réduire le coût en mana sur cette consommation là, c'est plutôt pas mal. Pyromania, le bonus d'armure qui passe de 35 à 40 quand vous activez le dé. Ça aide aussi la solo lane, mais ça permet à Blaze d'être un peu plus tanky. Là c'est vraiment l'idée de main tank. Les talents par contre, alors ça c'est vraiment intéressant, il fusionne deux talents, donc l'aire d'effet, donc le radius de la flaque, vous savez la flaque avant qui augmentait le slow et qui augmentait la taille, maintenant le slow a été incorporé de base, donc il y a juste l'aire d'effet, et bien maintenant en plus de l'aire d'effet, ça réduit ça ce qui est vachement intéressant, c'est que ça réduit le temps de recharge d'autres flaques, en plus de réduire le coût en mana, enfin de réduire le coût en mana du Z. Donc c'est plutôt intéressant honnêtement, hein. C'est plutôt intéressant. Si jamais vous enflammez la flaque. Donc c'est assez intéressant ce niveau 4. C'est pour moi maintenant le meilleur niveau 4 de Blaze. Là avec les changements justement qu'il y a sur ce talent là, on avait eu un peu plus de diversité. Là vraiment c'est le meilleur talent de Blaze. Que ce soit en solo ou en main tank. Niveau 10, le bunker. Alors là j'ai pas compris. La réduction de CD du bunker passée de 80 à 70 secondes. Et le coût en mana réduit. Donc ça je pense que c'est vraiment solo queue. Parce que le bunker doit pas vraiment très très bien fonctionner en solo queue. Après, faut pas oublier que le bunker, même si vos potes ne rentrent pas dedans, ça vous sert de sauvetage en fait, de bouée de sauvetage. Hein. C'est quand même super important. Ça peut permettre d'aller tanker tanker sous l'effort, etc. Enfin, c'est quand même super intéressant. Donc le coût en mana qui passe de 80 à 70 aussi, donc réduction du coût en mana. Pourquoi pas. Et le 13 enfin, spell power reduction increase from 20 ou 25% par stack, donc par coup de gant incinérateur, donc par jet de flamme, donc vous pouvez monter à 50% de debuff des capacités. Je trouve que c'est vraiment pas mal puisque ce talent-là était bien, mais c'était peut-être un petit peu faible par rapport à la réduction de vitesse d'attaque et par rapport surtout au E qui pose une flaque en dessous. Donc ça j'aime bien, honnêtement j'aime bien l'idée. C'est plutôt pas mal pour Blaze. ETC, alors là, des très très bons changements pour ETC, avec bah, une amélioration des autres talents 1 en dehors du rogue progressif qui à l'heure actuelle est le numéro 1 des talents. Donc on a le guitar héros qui d'ailleurs a une traduction dégueulasse en français, je crois que c'est enfin ils ont pas compris la trad les traducteurs, mais c'est leur métier. Du coup, basic attack no increase the duration of guitar solo by 0,25 secondes, donc chaque auto-attaque va augmenter également la durée du E, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, le soin a été réduit, il passe de 50% à 40%. L'idée c'est de se soigner pendant plus longtemps, donc c'est un talent qui va vraiment être super intéressant en solo lane, mais même en teamfight, si vous pouvez auto-attaque, etc., ça peut ne pas être dégueu. Le bloc party, alors ça c'est très fort, puisque le physical armor, donc le montant d'armure physique maximum, a été passé de 50 à 75. Donc maintenant, vous savez, quand vous lancez un sort, vous allez avoir de l'armure physique. Pour vous et les alliés qui sont dans le petit rayon autour de vous, et bien maintenant c'est 75 d'armure physique au lieu de 50, ce qui est plutôt fort, sachant que vous l'avez très souvent. Le speed metal, alors ça c'est la move speed bonus augmentée de 15 à 20% au niveau 4 après avoir utilisé un sort. Donc ça, c'est un talent qui nécessitait ce up depuis très 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 longtemps. Il était beaucoup trop vieux à l'époque, on avait peur de donner trop de move speed. Maintenant, on la donne beaucoup plus facilement, donc 15 à 20%, c'est bien mieux. Je pense que le fondu reste trop fort, mais honnêtement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et le jour où le fondu, bah, il sera peut-être incorporé de base, ça pourra devenir vraiment sympa. Enfin bon, ça c'est, je pense quand même que le talent devient sympathique. Je pense que je le testerai un petit peu de mon côté, mais le fondu me semble trop fort. Vraiment par rapport à tout ce que ça peut vous permettre, les cancels c'est bête, mais même les détags, les cancels de lancement de sorts comme les silences de Malfurion, etc. L'autre 4 est quand même super important. Et par rapport au gameplay de TC, vous avez besoin du fondu pour vous aider dans pas mal de situations.
Le niveau 7, Ameron, donc c'est le virtuose qui a été augmenté, qui passe comme une valeur d'enchaînement classique. Donc moi ça je peux vous dire que j'adore, hein. Je jouais déjà virtuose quasiment tout le temps, maintenant je le jouerai tout le temps. donc je rappelle, c'est un enchaînement qui proc sur deux auto-attaques, contrairement à tous les enchaînements qui marchent que sur une auto-attaque après le lancement d'un sort ETC, maintenant ce sera un vrai enchaînement après le lancement d'un sort. Et ça c'est très 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 fort sur OTC. Donc une glissade, deux coups d'auto-attaque, un fondu, deux coups d'auto-attaque, un E, deux coups d'auto-attaque. Vous allez faire très très mal. Donc ça fait plaisir. L'idée voilà, c'était de buff un petit peu certains talents moins joués sur ETC. Ils veulent faire en sorte qu'ils puissent un petit peu concurrencer les top tanks de la méta, Nubarak, Diablo, Garrosh. Par contre ils disent voilà, si jamais c'est trop fort, ne vous en faites pas, on fera probablement des petits changements. Mais en tout cas pour le moment voilà, ils veulent améliorer. On va voir qu'il y a un gros patch tank mine de rien. Garrosh justement, on en parlait, le CD du E qui passe de 14 à 16 secondes, c'est un petit peu normal. L'idée c'est d'en faire un peu comme un Stitches avec le hook je crois que c'est 16 secondes sur Stitches. Donc le but est de faire un peu la même chose en mode, voilà, ok t'as un combo qui est très punitif, mais on fait en sorte que tu l'aies un peu moins souvent. Par contre, à côté de ça, niveau 1, donc le E voit ses dégâts augmenter, passer de 75% à 125, ce qui était une ancienne valeur. Ça changera pas grand chose pour moi. Le brise-guerre est beaucoup trop important. La réduction de CD sur le A, c'est trop fort. Les dégâts sur le A, c'est trop fort au niveau 1. C'est ce qui fait que le perso a des dégâts. Sinon, il a que dalle. Et en plus, il n'y a pas besoin de s'avancer pour le faire, contrairement à celui-là. Vous pouvez le faire de loin. Et en plus de ça, vous avez la synergie avec les mesures défensives, les shields au 13. Donc, de toute façon, le brise-guerre est bien meilleur que le E. Le body check, alors ça par contre c'est super intéressant, ils ont choisi de fusionner maintenant tous les talents sur le coup de poing, donc le talent sur le niveau 7, etc. pour le niveau 1. Donc le slow a été réduit de 30 à 35%, slowment reduce from 30 to 35%. Je me demande si c'est pas une augmentation ou si c'est un problème dans la patch note. Après c'est possible, comme ils aient tout fusionné, c'est possible qu'il y ait eu un nerf de 35 à 30% justement. Là-dessus j'avoue que je ne peux pas trop savoir, mais ça changera pas grand chose sur Garrosh, il y a déjà énormément de CC là-dessus. Après ce qui est bien, c'est que même si vous avez fait votre combo, vous avez de nouveau un contrôle après. Ça peut être cool pour tempo un petit peu les temps d'attente de Garrosh quand vous n'avez plus de combo. Ça ne donne plus maintenant de dégâts bonus ou de slow bonus. Ah non, donc ouais, ça monte. Ça monte à 35%, mais vous avez plus de slow bonus en fonction de votre armure actuelle. Donc plus de dégâts et plus de slow bonus en fonction de l'armure actuelle. Maintenant, par contre, il y a une fonctionnalité en plus, puisque c'est la fusion du niveau 7, et c'est pour ça qu'ils ont viré le brute force. Ça réduit maintenant les heals de 40% pendant 3 secondes quand vous lancez le coup d'épaule. Donc le coup d'épaule, c'est très très fort, parce que maintenant, dès le niveau 1, vous avez un anti-sort de 40%. Sachant que Garrosh, très souvent, vous allez vouloir one-shot un mec, donc vous allez faire E-A taunt ou E-taunt A et mettre l'anti-heal, comme ça vous pouvez burst le mec en toute quiétude. C'est quand même vraiment intéressant, je trouve ça très fort. Donc pour moi, maintenant, ça joue entre brise-guerre ou le coup d'épaule, tout simplement. Niveau 10, Decimate, donc le slow est renforcé sur le tourbillon de Garrosh qui passe de 30% à 40%, ça changera pas grand-chose sur l'ult, honnêtement. Mais c'est quand même appréciable. Le Mortal Combo est là. Après un an et demi, ça fait... En fait, depuis que Garrosh n'attire plus les gens à lui, ça fait quasiment un an et demi que ce changement, je le demande à chaque patch note. Le problème, c'est que le Tremble-Terre, c'est trop fort au 16 et que tous les autres talents, ils sont incompréhensibles. Enfin, le Mortal Combo. Donc le Mortal Combo va maintenant... Alors, il augmente la réduction de CD... Enfin, il augmente la réduction de CD de 9 à 10 secondes en cas de réussite. C'est aussi pour compenser le fait que vous avez un E plus. Maintenant vous avez un E un petit peu moins souvent. Mais surtout, le truc intéressant, c'est que maintenant, vous pouvez faire votre combo dans n'importe quel sens. Si vous faites EA, ça fonctionne. Si vous faites AE, ça fonctionne. Ce qui n'était pas possible avant. Et ils avaient gardé les mécaniques anciennes, c'est-à-dire A et ensuite fallait E. Sauf que ça, maintenant avec Garrosh, tu le fais quasiment plus. Donc, sauf en early. Et t'es pas 16, donc ça sert à rien. Donc. Ça c'est vraiment une bonne chose. Ça c'est vraiment une bonne chose, ce qui fait que le Mortal Combo va enfin devenir viable sur Garrosh, même si le Tremble-Terre reste meilleur. Mais c'est prenable, c'est tout à fait prenable. Deadly Calm, donc le 20 qui tourne, enfin l'amélioration du décimé, qui voit une réduction de dégâts augmenter de 20 à 25%. Je trouve que c'est un bon changement, honnêtement. C'est quand même un niveau 20 et le bonus est quand même super intéressant. T'as envie de debuff comme ça, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu, je trouve, d'attrait. Après, de toute façon, tu ne joues pas ce talent, donc c'est un petit peu...
C'est embêtant. Johanna, des super changements aussi sur Johanna, avec les dégâts augmentés de la condamnation de 55 à 58. Alors, je suis très ouvert à ce que vous me répondiez. Parce que je rappelle que ça a des dégâts bonus, le Dame prend le pion, donc l'ancien talent 1 de Johanna d'il y a très longtemps, qui avait été intégré de base, et qui fait des dégâts bonus au sbire. J'aimerais savoir si justement maintenant, avec les petits dégâts bonus, ça permet de finir des sbires, les sbires distance instant sur une condamne. Et ou à partir de quel niveau ça le fait. Parce que ça c'est super intéressant comme données. Ça permet d'augmenter son wave clear comme pas possible à Jojo. Le niveau 1, donc la Galva au niveau 1, qui maintenant réduit de 5 secondes, donc vous passez de 20 à 15 secondes sur la Galva. Le bonus de shield passe de 50 à 60%. C'est énorme hein. C'était déjà le cas la dernière fois, j'en avais parlé, j'avais dit c'était fou. Là c'est vraiment vraiment fou. Alors le problème encore une fois, c'est ce que j'ai évoqué en stream quand on m'a posé la question, parce que tout le monde me disait oh, mais ça sert plus à rien de jouer de l'espoir, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est ce que je m'étais dit à la dernière patch note, et je ne me ferai pas niquer une deuxième fois. Oui, les valeurs sont n'importe quoi, sont complètement aberrantes. Et Blizzard fait ça pour que vous considériez ses talents, mais la loi de l'espoir reste très forte et reste numéro 1. Pourquoi? En plus dernièrement je joue beaucoup Johanna et on s'en rend compte vraiment, c'est que le problème en fait c'est que la Galva c'est votre truc à tout faire. C'est clair que c'est votre truc à tout faire. De la tankiness, de l'insensibilité sur tous les sorts, c'est quand même super important. Le problème, c'est qu'en prenant ce niveau 1, vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Donc, si vous n'avez pas de Galva, vous êtes mort. Et le problème, en fait, c'est que vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, du coup, si j'ai la Galva, en plus, je l'ai plus souvent, etc. Le problème, c'est que la Galva, vous ne devez pas la gaspiller, en fait. Parce que vous donnez des informations. Quand vous n'avez plus de Galva, ou que la Galva est lancée, l'adversaire fait, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Du coup, là, t'es mort, en fait. Donc faut faire très attention. La Galva, faut pas la claquer n'importe comment. Et c'est pour ça que limite dans des teamfights, il vaut mieux commencer par claquer la loi de l'espoir avant de claquer la Galva en fait. Donc personnellement, je pense que la loi de l'espoir c'est très fort parce que ça offre une deuxième tankiness sur Johanna, sachant qu'elle n'a pas sustain naturel et que du coup bah, vous pouvez jouer sur les deux tableaux avec deux outils de tankiness, deux protections pour Johanna. Alors que l'autre c'est une énorme protection certes, mais une seule. Donc bon après ce talent reste très fort hein, bien sûr, mais pour moi l'eau de l'espoir restera le numéro 1 quand même. Niveau 4, Eternal Retaliation, donc c'est bah, tout simplement le Z qui réduit le temps de recharge, bah, qui voit son temps de recharge réduit s'il touche plein de monde. Là en l'occurrence donc la réduction de CD maintenant passe de 0,5 à 0,75 secondes par ennemi touché, donc c'est pas que sur les héros hein, ça marche sur les sbires. Et le nombre de cible maximum a été réduit de 10 à 8, plus besoin en fait de toucher 10 cibles pour vraiment atteindre le plein potentiel du talent. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin le Zealous Glare, alors ce n'est pas sur le niveau 4 hein. Attention, c'est une erreur sur la patch note, c'est le niveau 7. Le E maintenant en passif dure une seconde de plus. Sachant que je rappelle que ça ne change pas le fait qu'avec les auto-attaques, vous allez augmenter la durée du blind de 1 seconde. Donc c'est un petit changement appréciable, parce que c'est un talent situationnel, mais qui est très fort situationnellement. Donc c'est plutôt appréciable. Le niveau 20, le Radiating Face. Donc ça c'est quoi? C'est tout simple, Fate d'ailleurs. C'est quoi? C'est tout simplement le bouclier sacré qui... Alors ça c'est énorme comme changement par contre. Hein. Alors le niveau 20 de façon de Johanna, ça jouait souvent entre Nimbe de Lumière et Indestructible. Celui-là, moi j'en avais souvent dit parce que... Il y avait des moqueries sur ce talent, honnêtement il était pas mauvais. Mais là ça devient fou. C'est à dire que il faut savoir que le bouclier sacré, ça stun la première cible touchée et stun plus longtemps que les cibles secondaires, que les cibles sur lesquelles ça rebondit. Maintenant avec ce niveau, ça a toujours été le cas, mais au niveau 20 ça a augmenté la durée du stun sur la cible principale à 1,5 secondes. Et les autres étaient stun pendant 1 seconde au lieu de 0,75 ou 0,5, je crois que c'était 0,75. Donc ça a augmenté la durée du stun et ça permettait aussi de toucher 5 personnes. Maintenant, il y a une fonctionnalité supplémentaire qui a été ajoutée à cela, c'est que maintenant les cibles secondaires sont stun autant que la cible principale. Ça veut dire que vous allez pouvoir stun 5 personnes pendant 2 secondes. C'est juste énorme. Alors bien sûr, c'est situationnel, c'est l'utilitaire, etc., etc. Mais dans l'idée, c'est génial. C'est très très fort. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, le but c'était d'en faire, de continuer à jouer sur le côté unique de Johanna, un main tank mais qui a une capacité de dépush très très forte. C'est vraiment la seule et elle est vraiment unique dans son rôle et je pense que Blizzard s'en rend compte aussi parce que je le rappelle, mais Blaze et Irelle ont été conçus comme des main tanks et ça ne fonctionne pas. Pour Blaze un peu plus, Irelle ils ont déjà abandonné l'idée, ils ont dit ça sert à rien, on n'arrivera jamais à la mettre en main tank. Donc
Johanna, ils veulent vraiment appuyer un petit peu là-dessus et ça fait plaisir. Malganis, alors je commence par la patch, enfin le commentaire des développeurs parce que c'est très rigolo, je trouve. On a nerf Malganis plusieurs fois depuis sa sortie et on s'est rendu compte, et encore ils y avaient été tranquillement justement pour éviter les. Parce que j'en avais parlé que ça allait être compliqué et que le perso pouvait tomber complètement si on le nerfait un peu trop. Et justement, l'idée c'était malheureusement, ça a été trop impactant ces nerfs. Et du coup, eh bien, on va lui donner des petits buffs en plus pour essayer de compenser cela. Donc le Z, le niveau 1 sur le Pterogarde, le bonus d'armure physique au passe de 50 à 75 de réduction de dégâts. C'est très très fort, surtout que la plupart des counters de Mal'Ganis sont des auto-attaqueurs, du Raynor, de l'Acacia, des trucs comme ça. Donc forcément, ça marche très très bien. L'aura vampirique qui voit le heal passer de 10 à 15% des dégâts physiques infligés. Donc c'est bien parce que ce talent, bah en fait c'est le retour de la valeur de la sortie en fait, hein, l'aura vampirique, donc ça fait plaisir, c'est plutôt cool. Et time to feed enfin, donc à chaque fois que vous faites proc la marque sur un héros ennemi, ça fait tout simplement un soin de 52 au lieu de 48, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Niveau 4, Might of Sargeras, donc l'armure anti-magique sur le Z, voit maintenant l'armure bonus duration increase from 2 seconds to 2,5, donc en gros passe de 2 secondes à 2,5 secondes. La durée de l'armure magique est augmentée, donc c'est plutôt sympa. Niveau 7, Black Claw, bonus de Magic Quest from 45 to 60%. Alors, ça, c'est quoi? C'est tout simplement l'enchaînement personnalisé de Mal'Ganis. Si vous touchez un héros ennemi et que vous mettez une auto-attaque, l'auto-attaque fait plus mal. Le problème, à mes yeux, c'est pas bon en fait. C'est ils augmentent les chiffres, moi je m'en fous de ça. Ce qu'ils devraient faire, c'est passer de 4, en fait, faire en sorte que maintenant ce soit un vrai enchaînement en fait. Que, alors, un vrai enchaînement, mais que sur le Q-spell. Faire en sorte que même si c'est ne pas lancer sur un héros, vous fassiez plus mal en fait. Ça c'est un truc vachement important sur Mal'Ganis, surtout que Mal'Ganis c'est plutôt joué en solo lane, donc ce serait plutôt intéressant de voir ça. Le Spawning Plague, la durée du slow passe... alors je sais pas si c'est la durée, pas le slow pardon, le sleep, je sais pas si c'est la durée du sleep ou si c'est le dot, ça se trouve c'est les deux, je ne sais pas. Mais qui passe de 4 à 5 secondes, donc je sens pas, mais ça reste anecdotique, hein. La volonté de Ticondrius reste le numéro 1. Alors, le passif sur... alors j'ai oublié le nom en français, mais c'est le cauchemar de quelque chose. Le principe c'était, vous savez, que vous deviez rester dans un... Moi j'aimais bien la mécanique, ça ressemblait un peu à du DAK, c'est quand vous étiez caché dans un buisson, et que vous sortiez d'un buisson, vous alliez faire des dégâts bonus en fait, des dégâts supplémentaires. Donc ça ne fait plus ça. Par contre maintenant, ça augmente la durée de Night Rush de 0,75 secondes. Donc le Night Rush c'est le E hein, bien entendu. When it casts from a bush, donc quand ça a été lancé depuis un buisson. Souvent j'en ai parlé, hein, je vous laisse aller voir le guide Mal'Ganis, mais j'en ai parlé. Très souvent vous allez tendre une embuscade depuis un buisson, donc l'idée est intéressante. Mais en plus de ça, le dégât bonus lorsque vous réveillez quelqu'un qui était sleep passe de 150% à 200%. Donc énorme burst une fois que vous tapez un mec qui sort d'un sleep. Donc ça marche bien sûr en synergie aussi avec Ana. Hein. Alors le niveau 16. Ça c'est un petit peu dommage, c'est juste que c'est le talent en fonction des PV des mecs que vous tapez. C'est-à-dire que si vous tapez un mec qui a moins de PV que vous, enfin qui a plus de PV que vous, eh bien vous allez avoir un bonus d'auto-attaque qui passe de 40 à 50% et un bonus de dégâts physiques qui passe de 15 à 20%. Ça reste moyen, on veut essayer de le buff mais ça reste moyen. Très triste aussi qu'il n'augmente pas parce que c'est pas passé dans une patch note et pourtant il a été nerf. Dommage qu'il n'augmente pas la frénésie là, puisque maintenant l'allié n'a pas la vision en fait du... Avant, à la sortie c'était possible, quand en fait vous pouviez en vocal dire ok Mal'Ganis, le joueur de Mal'Ganis, on pouvait le guider un peu en mode ok tu vois pas ce qui se passe mais regarde là va vers la droite etc. Maintenant tu n'as plus la vision du Mal'Ganis, même en tant qu'allié. Donc ça c'est un nerf. À mon avis c'est que Blizzard avait voulu créer le concept comme ça et c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, parce qu'ils se sont dit mais en fait c'était un truc qu'on voulait faire dès le départ et on s'était juste raté dans l'exécution. Le problème c'est que pour nous bah on le voit comme un nerf en fait et le talent n'a pas subi de changement, donc c'est un petit peu triste. Muradin, alors des super changements sur Muradin, vraiment j'applaudis les changements sur Muradin, surtout qu'il en avait besoin le pépère. Et pourtant il reste très, très flexible hein, mais il en avait besoin par rapport à la méta tank qui à l'heure actuelle qui est très compétitive où il y a beaucoup de picks et Muradin était limite l'un des moins bons maintenant. Donc bon, il y a un changement de la présentation en fait des talents, donc faites attention si vous prenez vos talents avec les raccourcis, peut-être que vous allez vous faire avoir là-dessus. Un buff du troisième souffle qui passe, honnêtement je trouve
limite maintenant je prends que ce talent. Donc bon, bah, j'avoue que ce talent est très très fort. Augmente la restauration de PV de 83 à 90 et quand ça a duré un petit moment, 166 à 180. C'est même l'inverse d'ailleurs. Niveau 4, alors là c'est là où on va arriver sur des choses très intéressantes. Sledgehammer, donc c'est tout simple le Q, hein, le stun qui fait des dégâts supplémentaires sur les créatures, enfin tout ce qui est non héroïque. Et bien en plus de faire ça, ça va maintenant améliorer. Ça va faciliter, ça va accélérer votre stacking naturel de votre A. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors, pas du niveau, hein. Je parle vraiment que du passif intégré, celui qui permet de toucher deux ennemis et qui permet à chaque auto-attaque de réduire le temps de recharge du A. Je trouve ça super intéressant, honnêtement, le principe. C'est vraiment... j'applaudis, c'est les petits trucs qui manquent à ce talent et qui est vraiment cool. Et c'est pas terminé, parce qu'ils vont faire ça sur plein de talents et c'est vachement bien sur Muradin. Et ça, j'espère qu'ils le prendront en modèle pour d'autres personnages. Parce que des fois, il manque des petits bonus, des petits passifs, des petits trucs. Et là, en plus, les passifs sont super intelligents. La réverbération, donc vous savez, c'est le clap qui réduit considérablement la vitesse d'attaque d'un ennemi. Donc, fort, enfin, c'était fort contre Illidan, etc. Mais t'avais pas envie de le prendre en fait. Tu te disais, bon, bah, l'électrisation ça reste très fort aussi. Hein, le double clap ça reste ok. Là en fait, maintenant le clap va considérablement ralentir l'ennemi et la vitesse d'attaque. Mais en plus de ça, ça va maintenant réduire de 5% le CD de votre capacité héroïque pour chaque ennemi touché. Pour chaque héros ennemi touché. Donc que ce soit sur l'Uppercut ou que ce soit... D'ailleurs je vois plus un truc avec l'Uppercut en mode pour pile, parce que l'Uppercut très souvent on le voit en mode pour essayer de tenter des plays, machin, tout ça. L'Uppercut, il y a une autre manière de faire, c'est un outil de peeling. Muradin en peeling, il a que le A en fait. Donc s'il y a vraiment besoin de peel la backline, ce que vous allez faire avec Muradin, c'est que vous allez pouvoir mettre un clap, ralentir la vitesse d'attaque par exemple d'un, je sais pas, d'un Butcher, d'un Varian Twinblade, d'un Illidan. Et ensuite bah, ça va permettre d'avoir plus souvent des Uppercuts et potentiellement zoner, bloquer, alors soit... isoler vraiment le Varian pour le tuer, soit vraiment même l'emmerder un petit peu plus, ça peut être une des solutions. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'ils font là-dessus. Niveau 7, le Heavy Impact, donc le slow sur le E, voit sa durée augmenter de 0,75 à 1,25, donc ça c'est vraiment pas mal. Je rappelle qu'à la base c'était un stun, mais maintenant c'est juste un slow, mais ça reste ok. Le Skullcracker, donc les 3 auto-attaques, enfin au bout de 3ème auto-attaque, vous avez un stun et vous avez des dégâts supplémentaires. Bien, on augmente les dégâts supplémentaires et ça, c'est pas trop tôt, hein, ça fait un moment que ça aurait dû être augmenté. Mais du coup, c'est cool, c'est cool. Niveau 13, Thunderstrike, donc c'est tout simplement le clap de tonnerre, c'est le courroux, la frappe du tonnerre. C'est la frappe du tonnerre, je crois, si je dis pas de bêtises. En plus de faire donc 300% ou 200% de dégâts supplémentaires sur un mec isolé, maintenant, ça va également augmenter en passif hein, l'armure de Muradin après avoir utilisé le E, donc c'est quand même vraiment intéressant l'idée de que le palier 13 soit défensif sur Muradin et que même sur les talents offensifs on vous accorde un petit bonus pour éviter de prendre la cure du tonnerre, le clap qui soigne. Je trouve ça super intéressant et super intelligent. Et là c'est un talent que j'ai envie de jouer, vraiment. C'est la rage Bronzebeard, donc la rage ardente personnalisée de Muradin, qui voit ses petits dégâts augmenter de 19 à 20. Mais je rappelle que la mécanique de ce talent, c'est quoi? C'est que si jamais vous êtes à côté d'un ennemi qui est ralenti, stun ou route, eh bien vos dégâts vont être doublés en fait. Vos dégâts vont être doublés. Donc ça c'est super intéressant parce que maintenant, en plus de ça, donc au plus d'augmenter les petits dégâts, maintenant les dégâts de la rage ardente vont soigner Muradin à la hauteur de 75% des dégâts infligés. Donc si vous utilisez, donc ça c'est plutôt avec le double clap évidemment, puisque ça permettra de slow plus longtemps, plus de monde, etc. Mais ça permettra eh bien tout simplement de vous soigner en constant dans un teamfight, donc avec un avatar. Ça c'est monstrueux, j'aime beaucoup ce changement sur Muradin, histoire d'avoir quand même deux talents qui apportent de la sustain, certes moins burst heal que le clap de heal, mais d'un autre côté c'est quand même une bonne sustain supplémentaire pour rendre un peu plus compétitif des talents qui étaient intéressants mais pas suffisamment pour vraiment concurrencer le talent numéro 1. Je trouve ça génial. Franchement Blizzard, ça mérite des applaudissements sur Muradin. Stitches, le buff de vitesse d'attaque qui passe de 5 à 6 secondes, ça reste de la merde. Niveau 13, le E, donc maintenant ça n'augmente plus les dégâts sur les héros ennemis. Le E n'augmente plus les dégâts sur les héros ennemis. Par contre maintenant à la place... si vous touchez un héros ennemi avec le E, ça va réduire le temps de recharge du E de 5 secondes, cumulable avec le niveau 4 sur le Z. Ça c'est un super changement par contre, ça c'est vraiment un super changement. Je rappelle que c'est le talent en fait qui debuff de 40 ou 50% les dégâts du mec mangé. Donc ça c'est super intéressant, du mec que vous avez mâchouillé avec le E. Donc ça c'est super intéressant. Le passif maintenant, les dégâts bonus après avoir touché un héros ennemi avec le hook vont être augmentés de 4 à 8 secondes.
Ah oui, c'est sur la rage ardente personnalisée de Stitches. Donc maintenant, la rage ardente dure 8 secondes après un hook réussi. Donc ça, ce que j'aime... En fait, ce talent, je le trouve quand même pas très fort. Mais l'intérêt de ce talent, c'est surtout de vous apprendre à Stitches à pas faire que des hooks de super-héros, là, en mode « Ah, max distance, machin, je suis JPL, machin. » Non, non, pas besoin. Des fois, vous n'avez pas besoin de mettre un super hook pour pouvoir eh bien, le faire fonctionner. Ne l'oubliez pas, mais c'est un stun. Donc ça peut permettre voilà, d'avoir ces petits tics de dégâts supplémentaires pendant plus longtemps et valoriser les Stitches qui savent toucher leur hook. Et ça, je trouve ça bien, même si pour moi, le talent reste trop faible par rapport aux deux autres, celui-là, et surtout, bien sûr, le passif qui proc sur le Z. Enfin, le crochet à viande, hein, qui fait que maintenant, le heal... Le maximum de heal par PV, enfin le bonus healing increase from 16% au 20%, donc on va 20% de soins supplémentaires sur Stitches après avoir lancé un grappin. C'est... Pour moi, il n'y a pas besoin de ce talent en fait au 16, mais ça reste... Vous avez besoin de contrôle en plus avec Stitches, donc ce talent, je comprends pas pourquoi il est au 16 quoi. Ça devrait être au 13 ou au 20, mais je comprends pas ce talent. Maintenant, j'adore le commentaire développeur. Stitches like buff, we like Stitches. Donc, Stitches voulait des buffs. Stitches aime buff. Nous aimons Stitches. Nous donnons des buffs à Stitches. Du coup, Stitches est content. Du coup, vous aussi. Alors, Imperius, ça c'est l'un des ratés aussi de cette patch note. Le principe c'est que, comme ils ont supprimé la quête sur le Z au 1 sur Imperius, le principe c'est quoi? Le principe c'est que les dégâts étaient quand même intéressants, vraiment intéressants. Mais Blizzard a voulu rechanger un peu le design du sort en lui donnant. Pas supprimer le côté quête, même s'il n'y a plus de quête, c'est faire en sorte que ça soit une quête un peu naturelle sur Imperius et que le Z augmente au fur et à mesure de la partie en termes de dégâts. Parce que là, c'est une erreur sur la patch note, c'est marqué dommage bonus change from 125, ce n'est pas pourcent, mais 125 tout 100%. Donc ça double les dégâts du Z, alors qu'avant c'était juste un bonus de dégâts de 125. Donc qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va réduire un petit peu les dégâts en early game, par contre ça va augmenter les dégâts en late game du Z. Le problème à l'heure actuelle c'est que même si le design on peut le changer, ça change rien. À l'heure actuelle Imperius, Blizzard on l'avait dit sur une dernière patch note, j'en avais parlé, si Imperius à l'heure actuelle est à 50% win rate, c'est juste qu'il y a un talent qui le rend complètement OP et qui fait que, parce que sans ce talent là, Imperius il serait à 43% et Blizzard sera en mode il faut qu'on le buff, il faut qu'on le buff. Donc peut-être pas 43%, j'exagère, mais vous m'avez compris. Donc pour moi c'est une connerie, c'est le passif ou 1 qui est vraiment peut-être à nerf et up tout le reste parce que c'est vraiment ça le problème sur Imperius. Et ça, parce qu'en plus ce talent est cool, mais tu peux pas le jouer quand il y a le passif ou 1 en fait. Flash of Anger, donc ça c'est super intéressant, c'est le courroux des cieux ou le courroux de la colère, le courroux de lumière, je ne sais plus. Mais en tout cas, donc ça fait que quand vous touchez un héros ennemi avec votre A, il y a une explosion magique sur l'ennemi qui peut toucher potentiellement les autres héros ennemis. Mais maintenant, en plus de faire ça, donc ça dit c'est, en fait c'est le talent max burst sur une seconde, un peu comme les épines urticantes d'Anubarak. Le truc, c'est que... Donc c'était vraiment dans une compo one shot pure, en mode lui on le défonce en une seconde quoi. C'est en une seconde avant que l'adversaire ait le temps de réagir. Mais maintenant en plus ça va donner un bouclier de 300 qui dure 4 secondes, donc c'est vraiment pas mal. Ça permet d'augmenter la tankiness. C'est un des trucs qui fait qu'Imperius peut être vraiment fort, avec notamment la sustain au niveau 4 et autres. Bon, ça c'est un talent vraiment qui va devenir cool pour contrebalancer je dirais les auto-attaques de zone. Ça fait vraiment plaisir. On a vraiment deux super talents au niveau 7 sur Imperius. Et s'il vous plaît, ne jouez pas. Si vous jouez Z au 7 sur Imperius, vous n'avez pas compris le perso. Maltael. Alors ça, c'est super intéressant ce qu'ils font sur Maltael aussi. Le E au 4 voit le nombre de touches maximum réduit de 15 à 12. À 12 héros ennemis. Donc ça, c'est pas mal parce que ça met quand même vachement de temps. L'animation, c'est dur. Vous êtes souvent en solo lane. Donc c'est quand même compliqué d'avoir 15 touches. Donc c'est quand même plus facile de le stacker. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Niveau 10. Le coup en mana du tourment passe de 100 à 20 secondes. Donc là, clairement, Blizzard est en mode... Blizzard est vraiment en mode... prenez, quoi. Achetez ça. Là, c'est vraiment les témoins de Jéhovah qui sonnent à votre porte et qui font... vous ai-je parlé de notre sauveur le tourment? C'est un peu ça, l'idée. Donc, vraiment, plus de coup en mana. Quasiment plus de coup en mana sur le tourment. Ça, c'est génial. Et le principe, il explique, c'est qu'en fait, c'est un retour que les joueurs leur ont fait. En mode, le problème, c'est que c'est bien d'avoir le reset sur le Z. Mais le problème, c'est que Maltael a une consommation de mana quand même très importante. Et du coup, bah, avoir 3 Z possibles, ça vous fait aussi être oum en 2 secondes. Donc maintenant, le tourment, justement, ne coûte plus de mana. Quasiment plus de mana. C'est symbolique, hein. Le 20, c'est symbolique. Pour un ultime, 20 de mana, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas ouf.
c'est pas énorme. Et donc ça vous permettra eh bien de Z un mec, R, reset, reset à la fin. Donc ça c'est super intéressant. Mortalité, donc le Z qui fait des dégâts en pourcentage PV, qui je le rappelle synergise avec le niveau 7, hein, qui touche en zone, maintenant a été augmenté de 6% à 8%. En même temps c'est normal parce que ce talent là avant c'était un ancien 7 et il avait même pas été buff quand il avait passé 16, ce qui était un scandale. Maintenant il passe à 8% maximum de PV, donc il corrige une erreur, un oubli qu'ils avaient fait il y a quelques mois je dirais, peut-être même plus, mais du coup ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Le 8% de maximum de PV sur le Z, là ça devient vraiment fort, là ça devient vraiment intéressant. Surtout avec une optique de tourment avec le 7 potentiellement. Ragnaros. Alors Ragnaros, on sait qu'il a besoin de buff. Alors étonnamment je m'attendais pas à ce qu'ils disent ça les devs. Parce qu'ils disent qu'à l'heure actuelle ils sont assez contents des stats de Ragnaros en solo queue, mais que au niveau compétitif il a besoin d'un petit coup de pouce. Donc on veut pas en faire de trop, mais on veut l'aider un peu. Moi j'avoue que je suis étonné, je m'attendais à ce qu'ils... Alors c'est bien qu'ils disent que justement ils regardent dans la méta compétitive et ils ont envie de l'aider un petit peu. Mais pour moi, Ragnaros, le gros problème à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on le voit pas en compétition ou très peu, il est très fort, hein. Il reste fort, même en compète. Hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, en compétition, on va lui préférer un second tank, ou alors des assassins qui sont beaucoup plus capables de poke, un peu comme un Thrall. Donc, Ragnaros, à l'heure actuelle, c'est sa survivabilité qui pose problème. Ça se fait gank beaucoup trop facilement, Ragnaros. C'est un camion, ça se fait beaucoup trop nerf. Et le E, généralement, t'en as besoin pour des push. Donc c'est très facile de gank un Ragnaros. Donc augmenter les PV, donc là maintenant c'est pour vous donner une valeur, c'est 4% de stats supplémentaires sur le soin, enfin sur les PV. Donc c'est comme si en fait Ragnaros maintenant la game vous commencez niveau 1 alors que vous êtes niveau 0, enfin ou alors vous êtes niveau 2 quand vous êtes niveau 1, au niveau des PV je parle, hein, au niveau des PV de la régène. Donc ça c'est cool. Par contre augmentation des dégâts d'attaque de base, Ragnaros à l'heure actuelle a l'une des plus grosses auto-attaques du jeu. Donc l'augmenter, je trouve ça un petit peu stupide. Pour moi, j'en avais déjà parlé en stream, mais pour moi il devrait faire un truc, c'est le E. Il faudrait faire en sorte que ça speed de fou en fait au lancement et qu'ensuite ça décélère sur la durée. Parce que Ragnaros a besoin de ce petit coup de speed pour pouvoir s'en sortir sur un gank et autres. Donc je pense que augmenter l'auto-attaque de base, il n'y a pas besoin, il était déjà très fort. Ça, c'est un énorme up de l'attaque cuisante qui, je le rappelle, est en pourcentage des dégâts de l'auto-attaque. Donc le niveau 7, donc c'est un up du build E, puisque c'est le seul talent E, enfin c'est le seul talent qui correspond avec le build E. Donc c'est un up du build E par définition. Un buff sur la sulfurace au niveau 20 qui était pourri. Du coup maintenant au lieu de 0,5 secondes de stun supplémentaire, donc qui passait de 0,5 à 1 seconde de stun, maintenant ça passe à 1,5 seconde de stun pour les mecs touchés au centre. C'est pas fou, ça reste pas fou pour un niveau 20. Et la durée à la sortie du stun passe à 2,5 secondes. C'est pas fou, hein. Soyons honnêtes, c'est bien, mais c'est comme ça que le truc aurait dû sortir à la base et ça reste pas terrible par rapport aux autres 20 de Ragnaros. Enfin, le lac de lave qui voit son temps de recharge réduit de 90 à 60 secondes. Et ça par contre c'est un très très bon changement sur Rag pour faire en sorte de profiter un peu plus de cette stas qui est quand même un niveau 20. C'est une espèce d'ice block mais qui est au niveau 20, c'est quand même vachement dur. Alors certes ça soigne mais bon, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Rexxar, alors Rexxar ça aussi c'est cool. C'est des changements à la Zagara, un solo laner hein, historique, mais c'est des changements à la Zagara. J'espère juste qu'ils feront pas le même changement que sur Zagara où ils ont travaillé un an et demi dessus pour finalement eh bien tabiller à la hache tout leur travail, hein, Zagara tout ça. Mais le principe c'est que Rexxar maintenant, alors c'est un nerf Rexxar sans toucher à Rexxar, c'est quand même formidable. Mais du coup c'est Misha, les PV de Misha et la régène de Misha en early game est nerf pour éviter que Rexxar soit trop fort en solo en 1v1. Par contre, ils augmentent les PV de Misha et sa régène en late game pour que Misha ne se fasse pas non plus détruire en late game où ça sera plus dur pour elle de s'exprimer. Donc c'est vachement intéressant. On réduit l'early, on up le late game. C'est exactement ce qui doit être fait avec Rexxar. C'est vraiment très très bien là-dessus. Pas sûr que ça suffise, mais c'est très 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 bien. Ana, ça c'est la grosse erreur du patch. Il y avait aussi Anubarak, mais ça c'est la grosse erreur du patch, c'est-à-dire qu'on nerf le soin sur le Z d'Ana. Il va me dire bah si c'est bien, mais le gars, oui, non, mais en fait, non, c'est-à-dire que là tu nerfs pas le build grenade, tu nerfs Ana. Or, à l'heure actuelle, ce qu'il faut changer sur Ana, c'est réduire les talents sur le Z qui sont complètement débiles en fait, notamment le 1 et surtout le 7. Le 7 est complètement débilos, c'est ça qu'il faut nerf. Or là tu nerfs tout, même les Ana qui voudraient jouer autre chose que le build Z,
bah tu peux, enfin tu nerfs aussi cette Ana là. Donc ça c'est nul, ça c'est juste nul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les développeurs disent que ce soit en termes de chiffres, quel que soit l'elo et au niveau des chiffres compétitifs ou pas, Ana n'est pas, parce que tout le monde dit, tout le monde sur les réseaux sociaux, notamment les joueurs pro, disent ouais, Ana se pété, Ana se pété, Ana se pété. Et justement, Blizzard fait un petit rappel en mode non, non, on a les stats. Notamment des compétitions aussi avec les Gold Series. Les Gold Series, je peux vous le confirmer, elle apparaît énormément, mais au final, elle a un winrate dégueulasse. Parce qu'elle est ban 80% du temps et elle est pique 10% du temps. Et elle a un truc genre 36% winrate. Donc, c'est absolument immonde. Et ce que dit Blizzard, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est bien, mais elle est pas non plus OP. Enfin, ses stats sont pas complètement délirantes ou quoi que ce soit. Donc, mais après, par contre, fallait pas nerf ça, il fallait quand même nerf le build Z. Anduin! Anduin qui voit le court mana de ses sorts, donc du A réduit, par contre les courts mana du Z augmentés, pour inciter, un peu plus équilibrer, on va dire, le rapport de soins pour Anduin. Niveau 1, alors ça c'est complètement débile, par contre, ça c'est rigolo, mais parce que je vous en avais parlé, hein, la sortie d'Anduin sur ma vidéo de guide d'Anduin, j'en avais parlé, que le problème c'est que le talent qui fusionne les deux autres talents sur les soins va être trop fort et pour changer ça, ça va être dur. Donc j'en avais parlé, mais il y a déjà une augmentation sur le A qui passe de 1 à 2 secondes. Donc le déséquilibre, on va dire, c'est le fait que votre A prend un temps de recharge plus long. Mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose et en plus, surtout, il up les autres talents. Du coup, bah, ça up aussi ce talent-là en fait. C'est bête, mais ça up ce talent-là. Surtout que c'est bête, mais en Duin, votre A, c'est un truc qui vous immobilise et vous allez le spammer, mais sans le spammer. Je sais pas si je suis compréhensible, mais en gros, vous allez le lancer le plus souvent possible. Mais il faut quand même faire gaffe au lancement. Et parfois, vous n'avez pas besoin de le faire. Et le truc, c'est que justement, pendant le temps de recharge du A, bah, Anduin, vous pouvez soigner avec plein de sources. En fait, Anduin a plein de sources de soins. Du coup, bah, en fait, avoir moins de temps de recharge sur le A, c'est pas grave. Vous pouvez soigner avec tous vos autres aspects. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur cet aspect-là. Et quand vous avez de nouveau le A, vous le lancez. Donc, limite, c'est même mieux dans le kit d'Anduin. Or, bah, c'est le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, bah, ce talent-là, il est trop fort. Et les 2 secondes de temps de recharge, de plus, c'est pas ça qui va changer l'efficacité du perso. C'est déjà, tu fais ça, tu up ça, donc par défaut, ça up ça. Mais en plus de ça, même dans son kit vraiment à jouer, c'est même bien en fait d'avoir potentiellement un peu plus de CD sur le A par rapport au bonus que vous avez. Donc c'est absolument pas un problème. Le E! Pour Anduin, alors ça c'est bien, c'est vous savez, si vous mettez le route, si vous réussissez à l'immobilisation sur un gars, vous allez faire des dégâts supplémentaires. Le problème en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément simple de toucher le route. Du coup, il faut que ce soit vachement mis en avant par Blizzard. Et en l'occurrence, maintenant, quand tu touches un route, les dégâts bonus d'auto-attaque passent de 50 à 75%, sachant qu'Anduin a des très bonnes auto-attaques pour un support. Et le soin est augmenté de 90 à 100, donc ça met vraiment en valeur et ça récompense les joueurs d'Anduin qui arrivent à toucher leur E. Et ça, c'est cool. Même si je préfère quand même l'auto-attaque. Enfin, pas celle-là, l'autre quoi, la vitesse d'attaque et la portée, qui facilite aussi ça. Mais ça fonctionne. Enfin bon. Binding Heal, donc le soin, quand vous soignez un autre héros, ça vous soigne vous en partie, donc c'est plutôt un très très gros up honnêtement. Parce que le truc, Blizzard, en augmentant ces deux talents-là, considère que le dé est trop fort, le passif est peut-être un peu trop fort, et du coup ils augmentent les autres. Honnêtement, je pense que celui-là est quand même l'un des meilleurs. Et l'autre aussi, le shield est très très fort sur le Z. Donc 165 à 172, ça pose absolument pas de problème. Les deux talents sont très forts. Et moi, personnellement, c'est mes deux talents préférés, même sur Anduin. Enfin, le 10, Light Bomb, le shield qui a été augmenté de 140 à 165. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, comme je le dis, le problème de ce talent, en fait, c'est que c'est soit très fort, soit ça sert à rien. Si vous touchez qu'un seul mec, si vous le lancez sur un gars qui touche qu'un seul mec, c'est pas fou. Par contre, si vous le lancez sur un mec qui stun 5 gars, bon là, c'est vraiment god en termes de stun et en termes de shield. Donc c'est vraiment très très fort. Donc c'est vraiment l'utilisation que vous allez en faire. Mais c'est bien qu'il le up quand même. Parce que c'est pas si simple que ça pour parfois à toucher. Alors le niveau 13, là, ils ont complètement craqué Blibli. Puisqu'apparemment, tout le monde joue le Z. Moi, je suis pas d'accord et je suis encore moins d'accord maintenant. Donc c'est quand vous avez votre D. Vous gagnez de la move speed, vous savez, vous gagnez de la move speed. Vous avez 5% de move speed quand vous avez utilisé votre dé, et sinon vous aviez 15% de move speed quand votre dé, vous l'avez, quand vous avez votre dé, vous vous déplacez tout le temps, en permanence, à 15% de move speed. Là maintenant, ça quadruple le bonus au lieu de tripler, donc ça ne quadruple pas le bonus
quand vous avez utilisé le dé, hein, bien entendu, ça reste un 5%. Par contre, quand vous n'avez pas utilisé votre dé, sachant que vous ne devez pas spammer votre dé, vous devez le lancer vraiment de manière intelligente et au bon moment. Donc si vous n'avez pas lancé votre dé et qu'il est disponible, vous vous déplacez à 20% de move speed en permanence. Je rappelle que tous les persos qui ont eu des trucs comme ça, genre Raynor, ils l'ont nerf, et comme pas possible. Hein. Et à l'heure actuelle, même, vous allez voir, mais Raynor, il y a des up sur les autres 13 parce que bah, la move speed permanente est toujours trop forte. Donc là, c'est... Pour moi, ce talent est vraiment insane. Vraiment, vraiment, vraiment insane. Surtout avec le double DO 20 où vous allez permanence en avoir une de dispo et du coup avoir en permanence 20% de move speed. L'octo attaque, le maximum de move speed passe de 15 à 20%. Donc c'est le 15 à 20% si vous touchez des héros ennemis et le nombre de stacks par héros touché passe de 2 à 2,5% pour atteindre le 20% plus facilement. C'est cool, mais honnêtement, ça c'est trop fort. Pour moi, c'est vraiment le meilleur 13 d'Anduin maintenant. Niveau 16, cooldown reduction increase from 40% to 50%. C'est quand vous soignez deux alliés différents, votre prochain A voit un temps de recharge réduit. C'est pas fou, je trouve. Surtout qu'il y a toujours le problème de la canalisation du A. Olinova, donc les dégâts augmentés sur le Z et qui soignent plus autour de vous quand ça revient. C'est cool, c'est pas des valeurs énormes d'augmenter, mais c'est pas mauvais. C'est pas un talent qui est mauvais hein, de toute façon. Donc bah pourquoi pas, pourquoi pas. L'Inner Focus, donc ça par contre c'est un talent très fort et là ils vont nerf les deux talents forts d'Anduino 16. Donc le A amélioré. Mais cooldown reduction per hero hit. Mais en fait c'est même pas grave parce qu'en fait ils réduisent pas le heal ou ils réduisent pas le truc. C'est tout simplement que. Avant, en fait, si vous touchiez des héros ennemis avec le Z, vous aviez une réduction de CD sur l'activable. Elle est très forte. C'était 10 par héros ennemi touché. Maintenant, c'est 8. Ça reste très fort. Ça changera pas grand-chose là-dessus. Le puits de lumière, maintenant, qui voit son temps de recharge augmenter de 70 à 80 secondes, c'est pas très grave parce que de toute façon, n'importe quelle source de soins va réduire le temps de recharge. Donc, honnêtement, ça se vaut tout à fait. Donc là ils en parlent, on est content, ils parlent un petit peu du problème de la mécanique de celui-ci là qui est très dur à équilibrer. Deckard Cain, alors là, Deckard Cain c'est du grand n'importe quoi en termes de buff. Mais je comprends pourquoi il buff, parce que tous les teubés jouent les potions infinies au lieu de jouer les 2-20 qui sont complètement trop forts sur Deckard Cain, qui sont complètement pétés. Donc Blizzard up les trucs pétés pour que les gens jouent les bons trucs, c'est quand même extraordinaire. Donc on a les gemmes parfaites d'abord qui fait que ça réduit le temps de recharge du cube Oradric de 5 à 6 secondes. Mais en plus de ça, c'est le truc qui fait que toutes vos gemmes passent à 5 secondes d'activable de temps de recharge, qui est quand même très 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 fort sur des cartes game. Puisqu'en plus le cube, bah, c'est le truc qui va faire proc vos gemmes en permanence. Mais c'est pas terminé. On a également vous avez lu mon livre, le slip amélioré, enfin le slip donc niveau 20, qui fait que quand un mec est réveillé, donc que ce soit au tout début ou à la fin, donc ça marche en solo queue comme en compétitif, quand le mec sort du slip, il est silence. Avant c'était 2 secondes, déjà c'était très fort, maintenant c'est 3 secondes de silence et 3 secondes de blind. Un silence plus blind, en termes de contrôle, c'est une métamorphose de Brightwing, qui dure 3 secondes, en zone. Donc le mec se déplace, mais il peut rien faire. C'est très fort. Très, 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 très fort. Et le Morinados, la réduction de CD sur le R qui passe de 6 à 10 secondes, ça c'est compréhensible. Mais ces deux-là sont complètement pétés. Donc jouez ça. Karazim, alors là c'est des super changements aussi sur Karazim. C'est des trucs qu'on attend depuis un petit moment. Mais le coût en mana du A et du E qui sont réduits. Donc ça c'est déjà une très bonne chose parce que Karazim... Qu'est-ce qu'il est manavore le cochon là, c'est très très dur. Mais maintenant, c'est surtout une fusion. Alors déjà la paume, on va parler de ça, puisque c'est le plus simple. La paume qui voit son temps de recharge de 60 à 50 secondes, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, tout simplement. Donc on l'aura plus souvent. Maintenant, niveau 7. Donc pour concurrencer le triple dash, le triple A, Blizzard a fusionné des talents. À savoir le Z. Donc le Z après un dash, c'était un 16, un palier 16, donc le Dash of Light, qui a été viré, qui a été fusionné avec le Z qui augmentait la move speed. En plus de ça maintenant, il va faire en sorte que quand vous avez tout simplement fait un dash et que vous mettez un Z, le soin est augmenté après le dash.
Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est ce qui a été fait sur Karazim. Donc c'est un talent 16 qui est fusionné. Alors le soin est un peu moins fort parce que c'est 75%. Mais concrètement, on s'en fout. Genre c'est un truc qui donne de la move speed et qui en plus soigne énormément un gars. Donc en vrai, c'est quand même super intéressant. Et puis en plus, ça peut être pas mal avec Karazim sur le build dash avec point d'acier malgré tout. Hein. Ça c'est un petit coup dur pour les talents autres que point d'acier parce que même en point d'acier tu vas pouvoir mieux soigner donc c'est quand même l'argument des deux autres talents quand même. Et le Blazing Fist donc c'est le E au niveau 13 vous savez qui dure plus longtemps etc qui va maintenant être mis en plus donc ça fait durer la réduction de CD et en plus ça fait durer plus longtemps le E au niveau 7 c'est quand même assez intéressant. Ça permettra en plus d'autres niveau 13 de prendre d'autres talents, par exemple la move speed, par exemple le bouclier anti-sort ou par exemple l'armure physique. Donc ça c'est quand même pas mal du tout, après ça veut dire que vous n'avez pas 3 dash bien entendu. Mais c'est quand même super intéressant. Sur BOE par exemple ça pourrait être très 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 fort. Donc voilà, ils expliquent qu'il faut trouver de la concurrence sur le niveau 7 de Karazim, blablabla. Stukov! Des super changements aussi sur Stukov. On a tout d'abord le Z. Donc vous savez, c'est la quête sur le Z qui demande de toucher 30 mecs pour avoir une réduction de CD sur le Z, mais également un coup en mana, enfin, plus de coups en mana sur le Z. Et bien maintenant, donc c'est, vous savez, une quête avec deux paliers. Et maintenant, il y a un palier alternatif à mi-chemin qui voit une nouvelle fonctionnalité. Vous savez, quand vous avez les 30 stacks, le Z ne vous coûte plus de mana. Et bien maintenant, quand vous êtes à mi-chemin, il vous coûte moitié moins de mana. Donc c'est super, franchement, Blizzard, c'est génial. Je trouve ça très très bien. Parce que ça permet en fait, quand vous arrivez à mi-chemin, vous avez déjà un bonus sur la réduction de mana. En tout cas, il est assez manavore, donc ça c'est génial. Et vous allez voir que mon build va être... il faut jouer ce build. Vraiment, il faut jouer ce build parce que ça va être trop fort. Z1, génial. Niveau 7 maintenant. Donc c'est l'ablation chirurgicale. Vous savez, si vous touchez avec le Z un mec et que vous le faites péter, vous avez 5 secondes de CD sur le dé. Bien, c'est pas terminé. Parce que certes, la mécanique est difficile à faire proc. Et du coup, ils ont profité pour faire un buff. Et ils ont tout compris sur Stukov. Pour faire en sorte que ça réduise le temps de recharge du A, du Z et du E. Donc vous avez plus de Z, vous avez plus de A, vous avez plus de E. Mais c'est surtout le A et Z qui est important. Parce que ça vous permet d'avoir proc plus souvent l'ablation chirurgicale avec la réduction de CD sur le Z. Donc ce truc-là fusionne, enfin synergise directement avec celui-là, puisque je rappelle, ça réduit aussi le temps de recharge du Z. Mais c'est pas terminé. Ça marche très bien avec l'épidémie, le niveau 4, sur le A, qui voit le temps de recharge réduit pour chaque héros allié touché. Et plus la réduction de mana. C'est vraiment monstrueux. Donc maintenant, il faut vraiment jouer Z1 avec Épidémie au 4. Et il faut vraiment que vous entraîniez pour faire proc l'ablation chirurgicale au 7. Parce que purée, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. C'est vraiment très 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 fort. Niveau 13. Alors, c'est le E qui fait péter en fait le D. Quand vous faites, en fait, mettez le Z, faut attendre un petit peu. Et quand vous le faites péter, ça compte, ça va balancer en fait un Z en zone. Donc, c'est plutôt sympa. Ça rappelle un peu un ancien, le niveau 20. Donc, c'est plutôt sympa. C'est un talent qui est pas mauvais. Popping Pustules. Donc, c'est Ah, mais non, c'est celui-là, pardon. C'est celui-là. J'ai confondu de talent. C'est celui-là que j'évoquais. Maintenant, le Heat Hungers, donc l'autre talent 13 qui est augmenté, c'est la réduction de CD sur le E qui Reduce from 12 to 10. Donc, c'est un nerf de la réduction CD sur. Enfin, de la réduction CD sur le E. Ah non, pardon. Non, c'est un up. C'est un up, pardon. C'est un up. Ça nécessite de toucher moins de héros ennemis pour pouvoir faire proc. Le talent pour réduire le CD. Donc c'est plutôt cool. Mais ça changera rien, on joue pas ça. Par contre, celui-là peut être joué. Mais souvent, si vous jouez Stukov, vous prenez le route au 13. Niveau 16, le porteur universel. Donc vous savez, c'est le soin infini entre les héros alliés. Si jamais les héros alliés s'éloignent trop, il n'y a plus de soin infini. Du coup, ça le soin, en fait, ça marche en heal infini. Par contre, ça réduit de 50% les soins du A. Maintenant, ça ne réduira plus de 50% les soins du A, mais de 40%. Donc c'est un buff de 10%, de 10 points de pourcentage, le soin en permanence sur des héros alliés. C'est plutôt cool, c'est vraiment cool. Donc voilà, ils disent, voilà, on veut essayer de renforcer ça, blablabla. Zarya! Le E, donc le E, qu'est-ce que c'est? Alors moi je l'ai même oublié ce talent, honnêtement, pour être honnête. C'est de la merde, c'est pas terrible. Du coup, le ensemble nous sommes forts. On a donc, en fait, si vous mettez un E sur un allié, l'allié va vous donner de l'énergie par rapport aux dégâts qu'il inflige. Et maintenant, il n'y a plus besoin, en fait, d'autant de dégâts pour vous donner un maximum d'énergie. Ils ont augmenté le gain d'énergie que vous pouvez gagner par un shield. Et en plus,
Le nombre de dégâts nécessaires à charger votre bouclier est réduit, donc c'est du tout bénef. Pourquoi pas le jouer avec la move speed au 4 sur des hyper carry, mais sinon, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Et par contre, les niveaux 20, alors ça c'est super important. La Gravito maintenant ne fait plus de dégâts sur les héros ennemis, par contre, elle silence les héros qui sont dans la Gravito, à l'image du tombeau de Léoric. Ils ont fait un tombeau de Léoric, mais pour Zarya. Donc bah, c'est plutôt intéressant, hein. C'est vraiment très intéressant même. L'autre point, c'est la zone d'exclusion, qui, j'avais même oublié l'ancien fonctionnement du passif, et honnêtement c'était pas dégueu, et je pense qu'ils auraient dû laisser l'ancien fonctionnement qui était cool, puisque c'était, en fait ça augmentait votre maximum d'énergie par ennemi, héros ennemi touché, donc vos dégâts pendant 10 secondes. Maintenant, ils auraient dû augmenter le temps, par exemple genre 15 ou 20 secondes, ça aurait pu être très fort. Maintenant, ça augmente la durée de la zone d'exclusion de 1,5 secondes. Franchement, je préférais l'ancien fonctionnement. Ça, c'est un petit raté. Alarak ! Alors, Alarak, on a un nerf du build E. Donc, le build E au 4, les dégâts bonus par stack sont réduits de 5 à 4%. C'est compréhensible. Bonus de dégâts sur le A augmenté. Donc, on buff le build A, en fait, hein, le build, enfin, sur le Q-spell au 4. Et il y a un autre talent qui est super cool, honnêtement super cool, c'est, vous savez, c'est celui qui, si vous faites un combo, un full combo sur un héros, donc vous mettez ZA et un E sur le mec, dans l'espace de 2 secondes, eh bien, vous aviez des dégâts bonus, comme si vous aviez un quatrième sort en fait, qui faisait des dégâts. Maintenant, ça va faire des dégâts, certes, c'est nerf, par contre, c'est 80, ça passe de 80 à 68, mais c'est pas tout, puisque maintenant, si vous réussissez, donc avec succès, à toucher avec vos 3 sorts un mec, en plus des dégâts supplémentaires, ça va augmenter votre sadisme de 2% jusqu'à un maximum de 20%. Ce qui est super intéressant, c'est que bah, dans ce cas, ça va augmenter les dégâts de tout votre combo. Parce que ça va marcher sur les dégâts bonus, bien sûr, mais surtout, ça va marcher sur les dégâts du A, du Z, du E et de l'ultime. Donc ça, c'est quand même super intéressant sur Alarak. J'aime beaucoup ce nouveau design de talent 4. C'est vraiment intéressant, ce qui fait que les 3 niveaux 4 maintenant d'Alarak sont vraiment compétitifs et se valent complètement. Maiev. Alors Maiev, j'ai été très en colère quand j'ai vu les changements. Parce que certes, Maiev a besoin d'un nerf, mais pour moi, il n'y avait pas besoin de nerf le E. Mais au final, les développeurs et par rapport à ce qu'ils ont fait, je comprends. Avec un peu de recul, je comprends tout à fait la volonté. Ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas le faire. Ils veulent réduire en fait la flexibilité de Maiev. Ils veulent pas forcément réduire les dégâts de Maiev, mais ils veulent réduire la flexibilité du pic. En compétitif, Maiev, elle peut dépush très facilement une lane et ensuite elle décale pour gank. Blizzard veut faire en sorte que Maiev galère plus à dépush. Ce qui fait que on nerf les dégâts du E, on les passe de 180 à 150. Moi, ma réaction, ça a été de dire, mais je comprends l'idée, mais c'est de la merde. Déjà, les talents du E sont pourris. Du coup, justement, les talents du E ont été up. Ça, c'est un truc que je dis depuis la sortie. Il n'y a plus besoin de blink pour faire 0... Enfin, plus besoin de blink après 0,35 secondes pour faire des dégâts en pourcentage PV en explosant sur les mecs que vous touchez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Parce qu'avant, il fallait forcément TP juste après avoir touché le mec, sinon ça proquait pas, ce qui était complètement débile en termes de flexibilité et d'ergonomie pour le personnage. Donc ça, c'est vraiment cool. Niveau 7, toucher un héros ennemi avec le E m'a maintenant augmenté les dégâts de Maiev de 15% pendant 4 secondes, et ça peut passer à 30% si vous touchez deux héros ennemis. Donc c'est-à-dire que si vous touchez un héros ennemi avec votre E, ça buff tous vos dégâts. Les dégâts du A, les dégâts du Z, les dégâts du E, sachant que le E va toucher. Donc si vous touchez deux héros ennemis, quand il revient, il fait 30% de dégâts supplémentaires. Mais en plus, si vous vous TP par exemple, bah, ça augmente tous les dégâts. Donc les dégâts du 4 aussi, par exemple sur l'aura tranchante, les dégâts du A, les dégâts de potentiellement... Bah non, j'allais dire des lunes, mais non, c'est au niveau 7, donc vous pouvez pas le prendre. Mais ça augmente tous vos dégâts. Vos auto-attaques de A, de Z, de E, tout. Et d'ultime, non, je rigole, c'est pas derrière. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc, pourquoi pas, pour Maiev. Zeratul, un petit nerf, donc là on voit vraiment les divers qui sont un petit peu nerf, Maiev, Zeratul, avec un petit nerf, pas grand chose, mais un petit nerf sur le A, histoire encore une fois un peu dans la même idée que Maiev, réduire un petit peu son dépush. On pourrait dire bah c'est un nerf du build Q-spell, du coup je joue build Z, bah en fait non, parce que ça nerf aussi le build Z, hein. Le build Z vous devez one shot en mettant votre Z sur quelqu'un. Donc au final ça renforce encore plus le build Q, pourquoi? Parce que bah, l'idée c'est que c'est nerf le dépush. Du coup, vous avez encore plus besoin du A au niveau 4. Gul'dan. Après, le build Z est viable, hein, bien sûr. Le Gul'dan. Alors, Gul'dan, le nombre de stacks nécessaires pour valider la quête sur le Q-spell passe de 40 à 30
stack, c'est énorme, hein. C'est un énorme up et je rappelle que ça augmente la portée du A sur Gul'dan, donc c'est quand même vraiment pas dégueulasse et c'est le talent early. Sur certaines maps comme Valmody, bah, le Gul'dan, pour stacker sa corruption, bon courage, hein. Donc le build Q-spell, il est loin d'être mauvais, bien au contraire, surtout le 16 qui est vraiment un palier très important, mais du coup le Q au 1 est vraiment pas mauvais du tout. Pareil, le nombre de globes nécessaires pour pouvoir stack le drain au 1, qui est pas mauvais, hein. Je sais souvent, moi je suis le premier à gueuler sur le build drain, mais le drain au 1 est pas mauvais non plus. Ça fait en sorte que, donc voilà, il faut 15 globes maintenant pour pouvoir stacker, ce que je trouve tout à fait normal, plutôt que 20, donc ça c'est bien. Alors ça c'est un énorme up, sur le build corruption en plus. C'est un énorme up, c'est pour valoriser d'autres talents, puisque la soif de pouvoir c'est très fort. D'ailleurs la soif de pouvoir pour moi c'est indispensable en Q-spell, en E ce n'est pas forcément indispensable. Maintenant si vous touchez un héros ennemi avec un Q-spell, ça réduit de 1,5 secondes le C de la corruption au lieu de 1. C'est énorme. Plus de corruption, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est très très fort. En build corruption il va falloir vraiment considérer ce talent. C'était déjà le cas avant mais là vraiment considéré. Et enfin le slow sur le drain. Après qu'un ennemi ait été touché par la corruption, votre drain va slow le mec. Ça va permettre du coup de faire faciliter votre drain qui va durer très longtemps. Et ça slow plus de 35% mais de 50%. Et c'est pendant la durée du drain, donc potentiellement jusqu'à 3 secondes. C'est assez énorme. Après, vous avez toujours la soif de pouvoir qui est très très forte. Et maintenant vous avez le Q-spell. Donc je suis un petit peu mitigé, je dirais. Mais ouais, je suis mitigé. Mais c'est pas mauvais. Si vraiment vous aviez besoin de contrôle, ce talent était fort. Donc si vraiment vous avez zéro contrôle dans l'équipe, ça c'est très très fort. Niveau 10. Et ça c'est quand même le rework de la Reign of Destruction, de la pluie de destruction, qui maintenant va changer son fonctionnement. Maintenant, il y a 1,5 secondes de temps de lancement. Donc c'est le temps de, avant ça durait je crois 7 ou 8 secondes de canalisation. Maintenant c'est 1,5. Donc pendant 1,5 secondes, ça canalise le sort. Un peu comme une pyro de Kaltas. Le truc, c'est que maintenant, ça, vous n'avez plus besoin de le canaliser jusqu'à la durée complète. C'est que 1,5 secondes de canalisation, plus sur la durée du sort, totale du sort. Et maintenant, par contre, la portée de lancement du sort, c'est pas la portée du radius, hein, attention, c'est pas le radius qui est augmenté, hein, c'est la portée pour pouvoir lancer la pluie de destruction passe de 15 à 10. Pour vous donner une petite idée, Raynor, c'est 6,5, sa portée d'auto-attaque. Tyrant, c'est 6,6. Hammer au niveau 20 c'est 8 de portée d'auto-attaque. Donc votre portée d'auto, enfin, vous êtes quasiment à une portée d'auto-attaque pour lancer la pluie de destruction avec une canalisation d'1,5 seconde. Inutile de vous dire que vous prenez des risques, sachant que même si la pluie de destruction passe de pourri, de chez pourri à ne jamais prendre, à pourquoi pas moyen mauvais, on va dire. Moyen bof, moyen vraiment bof, mais c'est plus non plus, c'est plus une catastrophe de loi, c'est pas une catastrophe. Maintenant le niveau 16, donc c'est tout simplement le trait, quand vous appuyez donc sur votre connexion, ça va augmenter les dégâts de votre prochain sort. Ça marche avec la pluie de destruction, ça marche avec la corruption, ça marche avec le A, ça marche avec le drain. Dans mon guide Gul'dan j'avais dit que ça ne marchait pas, mais ça a été corrigé. À la sortie ça ne fonctionnait pas et ça avait été corrigé quelques mois après. Donc ça marche sur tous les sorts après l'utilisation, enfin sur le sort après utilisation de la connexion. Jaina. Alors le problème c'est que un nerf de Jaina, je comprends. Ils ont nerf le CD, donc ils ont nerf le A, le javelot de glace, qui est honnêtement bah, le talent super intéressant de Jaina. Et c'est bien dommage qu'ils le nerfent. Ils le réduisent de 2 à 1,5 secondes de CD en moins sur le A. Le problème c'est qu'en fait c'est le seul talent en fait de Jaina au 7. C'est triste à dire. Et ils sont en train d'augmenter le fait que les auto-attaques sur les Jaina, sur les cibles qui sont glacées, voient le temps de réduction. Enfin, merde, j'y arrive pas. La CDR sur le Blizzard est augmentée. Enfin, est réduite. Je sais. Non, bah non, la cooldown est augmentée. Oui, cooldown reduction est augmentée. Non, c'est ça. Mais le problème, c'est que pour moi, ça, on s'en fout. C'est ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ce talent fonctionne sur les auto-attaques, en PvP, en PvE. En siège, ça c'est pour moi je jouerai ce talent le jour où il marchera dans toutes les conditions et pas juste en PVP, parce qu'auto attaque en PVP un mec glacé, j'ai la chef. Jaina elle a pas de portée, alors bien sûr vous allez en mettre une ou deux, etc. Enfin vous allez en mettre une ou deux en fight bien entendu, mais c'est pas assez intéressant pour prendre des risques comme ça. Alors que si ça marche sur et réduire le temps de recharge du Blizzard, et je préfère faire en sorte que les auto attaques fonctionnent en PVP, PVE, ça serait intéressant avec Jaina. Le Blizzard au 13, et ça c'est un changement
Il fusionne les deux talents du Blizzard, donc le talent Blizzard 16 et 13, il le fusionne. La portée de lancement du sort est réduite de 100 à 75%. Donc avant vous gagniez deux fois la portée du Z, maintenant c'est un petit peu moins. Et en plus de ça, ça va augmenter le radius du Blizzard de 30%. Donc il fusionne un talent 13 pourri avec un talent 16 pourri pour en faire un talent 13 bof. Puisque au talent 13, vous avez deux talents qui sont monstrueux. Veine glaciale, Icy Vein, ou vous avez de l'autre côté tout simplement l'armure de glace qui est très forte aussi. Donc vous avez deux énormes talents et un talent bof. Donc ne prenez pas ça. Niveau 16, le Snowstorm, donc c'est l'ancien nom du talent 16, mais l'effet a été fusionné comme je vous l'ai dit au 13. Maintenant, alors ça par contre ça va être vraiment intéressant, ça fait que la deuxième vague de Blizzard fait 20% de dégâts bonus et la troisième vague de Blizzard fait 60% de dégâts bonus. Alors à quoi ça sert ça? Bah ça sert en dépush, ça sert en siège et ça sert si vous avez route ou en rotation de contrôle dans un tombeau de Léoric par exemple. Bah la deuxième et la troisième vague de Blizzard vont faire très très mal. Donc ça c'est super intéressant. Avec un anneau-givre aussi. Un anneau-givre qui touche, vous mettez le Blizzard, boum, le mec va prendre au moins la deuxième, voire la troisième. Donc ça, c'est super intéressant. Le petit bémol, c'est que c'est pas forcément... Enfin, l'exposition nord... Enfin, elle a un troisième 16. Enfin, Jaina a un troisième 16. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Mais ça demande un petit peu plus de coordination de team, je dirais. Par rapport aux deux autres, qui sont plus indépendants. C'est le petit bémol. Mais c'est franchement un très bon changement. Lunara! Et ça me fait plaisir qu'elle y passe, la petite Lunara. Donc, la move speed augmentée pour Lunara quand elle n'est pas en combat, qui voit la réduction du proc de 5. Parce qu'avant, il fallait attendre 5 secondes d'inactivité hors fight pour pouvoir le faire proc. Maintenant, ça sera 4 secondes. Pour moi, ce talent, il devrait le mettre de base en version nerf. Un Falstad, il l'a. Tous les persos l'ont, sauf ce perso, sauf Lunara. C'est un peu dommage quand même. Le Diva aussi, mais bon, c'est. Ça veut dire que t'es comme Diva, c'est rarement un compliment. Niveau 4, sur le Q, la move speed est augmentée de 12 à 15% par héros touché. Ça reste de la merde. Niveau 7, alors ça c'est le pollen asphyxiant. C'est l'ancien niveau 16 de Lunara que j'adorais. Et sur le rework, c'était un des trucs qui m'avait déçu puisqu'il l'avait ramené au même palier que la lance brisée. Donc l'auto-attaque qui touche 4 personnes. Le truc, c'est que, bah en plus, quand il avait passé au niveau 7, ils avaient considérablement nerf le talent. Et depuis, ils n'arrêtent pas de le buff. Et là, eh bien, on passe à 100% de dégâts bonus du A si vous touchez un ennemi qui est sous poison. Je rappelle, pour les petites valeurs, je rappelle, au niveau 16, avant le rework de Lunara, c'était 125% par héros ennemi touché par le Z. Donc maintenant, c'est 100%, donc un petit peu moins que l'ancien niveau 16. Mais si vous touchez un mec qui a 3 stacks, 3 stacks de poison, eh bien le bonus passe de 135 à 150%. Donc c'est plus que l'ancien niveau 16, mais si vous avez touché 3 stacks de poison. Donc honnêtement, bah ce talent, moi je vais le rejouer parce que c'est du burst. Si vous voulez du burst avec Lunara, vous prenez pas bon, vous prenez ce talent en fait. Donc ça y est, enfin ce talent devient cool sur Lunara. Ça y est, enfin on retrouve une concurrence à la lance brisée pour Lunara. Le problème, c'est que l'ancien pollen asphyxiant, il était 16 et la lance brisée était 7. Du coup, vous pouviez avoir les deux, avoir du dégât de zone et du burst mono-cible en même temps. Ce qui n'est plus possible. Maintenant, vous devez faire un choix. Burst mono-cible ou dégât de zone. A vous de voir. La couronne d'épines qui est augmentée de 7% en dégâts. Donc, c'est loin d'être ridicule. Hein. 7% de dégâts bonus sur la couronne d'épines. Merci à toutes les Lunara débiles de jouer bon. Merci à vous. Vous faites en sorte de up les vrais talents de Lunara. Merci à vous. Hommage évidemment à Descartes Kane. Du coup, c'est juste trop fort. Encore plus avec ce talent, parce que vous en avez encore plus besoin. Il faut faire couronne d'épines pour le faire de manière safe et de manière optimale. Vous faites bien sûr, si vous pouvez faire l'auto-attaque, pas besoin. Mais sinon, vous allez faire couronne d'épines, ZA, poum, le mec il prend un burst de fou. Niveau 13, abolir la magie qui passe de temps de recharge de 35 à 30 secondes de CD. Donc ça, c'est cool. Et là aussi, je suis très content. Le Z qui voit le temps de recharge réduit si vous touchez deux mecs avec le Z. En fait, quand deux mecs sont empoisonnés et que vous appuyez sur Z, ça réduit le temps de recharge du Z de 4 secondes maintenant, au lieu de 3 par le passé. C'est aussi pour ça qu'on joue couronne d'épines en fait, parce que plus vous touchez de monde avec ça, plus vous avez accès à des bonus dans tout l'arbre de talent de Lunara. Donc c'est cool, en plus de faire des dégâts, peut-être plus utile pour votre équipe.
Niveau 16, donc la contamination accélérée. Donc c'était un talent, c'est le moins bon talent de Lunara. Ça reste le moins bon talent de Lunara. Mais maintenant ça réduit également le coût en mana du Q de 60 à 40 secondes. C'est le truc qui fait que si vous avez touché un héros ennemi avec le Q, eh bien vous réduisez le CD du prochain Q. Waouh, super. En vrai c'est prenable avec le set maintenant, avec le set qui devient bien, c'est prenable. Mais pour moi ça reste quand même le talent moins bon de Lunara. Ça reste, c'est devenu prenable, mais ça reste quand même le moins bon pour moi. La portée et la vitesse d'attaque et l'avantage des loyales sont quand même très très forts sur Lunara. Raynor, en plus de faire en sorte que vous ayez la réduction de CD sur le E quand vous avez appuyé sur le Z, vous allez avoir maintenant un coût en mana en moins sur le E pour Raynor. Ok, pourquoi pas, c'est un petit bonus passif, c'est vrai que le set, à part le slow, il n'y a pas grand chose à prendre, donc c'est vrai que c'est bien, il manque un petit passif, donc c'est bien. Le niveau 13, donc c'est le passif, enfin c'est le Q, la réduction de CD sur le Q qui fait aussi que maintenant si vous le prenez, vous avez une réduction du coût en mana pour le lancement du Q. Ça c'est une très bonne chose pour Raynor, pour vraiment concurrencer un talent move speed permanent sur Raynor. Donc ça c'est vraiment pas mal. Sylvanas, alors ça c'est très rigolo, parce que là sur le papier on dit 32-30, j'avais fait l'erreur quand il y avait eu le up de Sylvanas où j'avais dit bah Sylvanas oui il faudrait peut-être un petit up parce que c'est pas terrible le rework etc. Et ils avaient augmenté le dégât de la dague en les passant de 29 à 32. Je m'étais dit ouais, ça change pas grand chose etc. Mon erreur, mon mauvais, c'est vrai que le build Z est devenu complètement débilos. C'est imbuvable, hein. Le rework de Sylvanas c'est imbuvable. Mais c'est mon opinion personnelle bien sûr, ça reste complètement débile. Mais ça par contre c'est objectif. Moi je déteste le rework Sylvanas, mais objectivement le perso est plus teubé qu'avant. Et le truc, c'est que Sylvanas, donc 32 à 30, c'est quasiment la valeur de sortie où à l'époque où la DAC faisait vraiment pas trop mal. Parce que le truc, c'est que c'est exponentiel, puisque c'est dégâts donc comme ça, donc c'était assez exponentiel. Donc 32-30, ça change beaucoup de choses. C'est quasiment les dégâts de la sortie, c'est un de dégâts supplémentaires, c'est un de dégâts bonus par rapport à la sortie de Sylvanas, où le Z était très très faible. Et il avait fallu le booster comme pas possible. Donc la dague, le talent sur la dague au 1 prend un énorme nerf. Donc Q1 ou l'auto-attaque, je vous le conseille énormément. Et voilà, c'est terminé pour cette patch note. Globalement je la trouve, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de changements, donc la vidéo risque d'être déjà longue. Mais globalement je trouve que les changements sont très très cool, en dehors de Anubarak, en dehors de Jaina et de Ana et Imperius on va dire. Je trouve les changements super bons, c'est une excellente patch note, franchement, GG Blizzard. N'hésitez pas à me donner vos impressions, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous trouvez que le patch est bon, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez voir, est-ce qu'il y avait des idées, est-ce qu'il y a des trucs que vous auriez aimé également ajouter. En tout cas, moi, voilà, je trouve cette patch note excellente. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Me suivre sur Facebook et sur Twitter. Tout est dans la description. Merci à vous. Je vous fais des bisous.